Après 3 semaines de marathon ultra intense, je pense qu'il est temps de prendre quelques jours au soleil. Arrivé juste maintenant à l'aéroport de Bâle, de Bâle-Mulhouse, et je dois avouer que les 3 dernières semaines ont été hardcore. Ça a été vraiment hardcore. J'ai poussé la machine dans ses extrémités totales là. Ça a été 3 semaines, j'ai l'impression que c'est passé en un claquement de doigts. J'ai bossé, j'ai fait quasiment que bosser, et j'avais ce défi aussi sportif de faire 2 séances de sport par jour durant les jours de semaine. J'ai réussi à le tenir, je l'ai prolongé de 3 jours en plus, donc ça a été vraiment intense, donc niveau physique, aussi niveau mental, une grosse pression en interne au sein de l'agence, il fallait gérer différents projets, et une pression externe aussi, parce que j'avais de grosses deadlines financières à respecter, et il fallait réussir à trouver de nouveaux projets, de nouveaux clients, de nouveaux partenaires, donc ça a été vraiment intense, une bonne pression, mais ça a fonctionné. Donc je suis content, j'ai un sentiment là où, quand tu bosses à fond, et que ça fonctionne, que ça marche, qu'il y a un retour, c'est un sentiment qui est juste tellement, tellement kiffant quoi. Et sur la fin, je dois avouer que je sentais que le stress et la pression que j'avais devenaient en fait négatifs. À la base, je suis une personne où j'adore travailler sous stress, il faut que je bosse sous pression pour réussir à délivrer un max de valeur. Et là, je sentais que sur la fin des 3 semaines, ça commençait à devenir un peu nocif, il y a des choses qui me stressaient plus que d'habitude. J'avais tendance parfois aussi à voir plus le négatif que d'habitude, et ça, c'est un truc qui me saoule. Je me force tout le temps, vraiment, je m'isole dans ma tête et autour de moi pour être sûr de tout le temps voir le bon côté de ce qui se passe, tout le temps prendre ce qu'il y a à prendre et de pas laisser le négatif prendre le dessus. Donc là, je dois avouer que je sens maintenant juste que il faut baisser un peu la pression. Il y a une phrase que je me répète souvent. Je pense que la force ou le potentiel d'une personne, ça se définit pas dans son intensité, mais dans sa capacité à gérer le long terme, à tout le temps en fait réussir à avoir un rythme qui va lui permettre d'avancer sur le long terme et qui va pas se cramer en quelques semaines sur le court terme ou quelques mois. Donc là, j'ai poussé un petit peu, je suis allé contre cette vision que j'ai. Donc maintenant, je pense qu'il est temps de... Bon, c'est pas tout, mais faut pas que je rate mon vol. J'attends juste maintenant mon bagage et il y a une personne qui attend sur moi aussi. Je pense que vous devinez de qui il s'agit. Ça va? Oui. Ça va bien. Ça fait longtemps. Et il y a un truc que je vous ai pas encore dit, mais j'ai retrouvé maintenant ma chérie aux îles Canaries.